On coûte tout. Ba, ông kiểm tra các bản to, các chấm đại ca này thì thi sạm là cả. Nhớ. Thông chi được chỉ cầm thằng mặc là vậy. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais que nous revenions sur les documents qui vous ont été présentés hier par Monsieur le procureur. Vous vous souvenez qu'hier soir, on vous a présenté, c'était le dernier document, le document numéro E3-4093, et vous aviez demandé à pouvoir consulter votre avocat. Et ce matin, on vous a à nouveau posé une question concernant ce document. Je vais relire la réponse telle qu'elle a été notée ce matin. J'aimerais apporter les précisions suivantes. Tout d'abord, en tant qu'assistant du comité, je dois dire que c'était Ta Ron qui était en charge du district, donc à un échelon supérieur. Avant d'effectuer une tâche quelle qu'elle soit, je devais demander l'autorisation de Taron. Donc, toutes les décisions étaient prises par Taron. Pour ma part, je me contentais de coucher par écrit les décisions prises par Taron. Et je puis répondre par l'affirmative pour dire que tout balayé, tout nettoyer voulait dire exécuter. Monsieur le témoin, j'aimerais que vous nous disiez clairement si aujourd'hui vous reconnaissez être le signataire du document E3-4093. Est-ce que vous voulez que je vous présente à nouveau ce document pour que vous puissiez l'avoir sur les yeux et vérifier si c'est bien votre signature et votre écriture? Đôi khi ông bà lời hay lục chào cấm cả bàn an nơi chầm lời rồi bọc nhóm ruột sạch hơi. Cách ca vây chẳng ốc cứ tà rón đà chìa tà tuôn khó trâu đầm bàn đọc bấy quát mò cụp cổ rộng sọc tràm cọ lư bì lư nhóm ấy. Nhóm trâu bị cổ, bị phía xá, xa ná, dù bó là bọc con. Đối chứ nên miền ca xâm rạch bị cốt. Ôi thơ giang ná bán khá nhóm miền ca xa xế, tám ca này nóm là bọc con, tám xa kỳ đây xâm rạch là bọc con. Ai hát thả lịch khá, ta ai kia xa ở bay buôn xa sắp cao bay, จอดไงปรำเปิลใครปรำใบนี่ปัจจัยหัตถะเลขาหรือบอกยมแมนปัจจัยเมียนไอกระซ้ามวยเตี้ยเลดเดมารอยฮาปรำเปิลจอยมารอยมวยนู้ขังกระร้อมจอดไงที่ปรำเปิลใครใบไอดะชมุกยมสาร สาเซมอกบองอันจีเรียบเนี่ยอันนั้นคือขยมมันแมนอสอขยมเตยขยมสมปะตะแซดมันแมนอสอขยมเตย
ឈ្មោះឯកសារអឺ 3 27 85 ចុះខាងក្រោមចុះថ្ងៃ 7 ខែ 3ហើយដាក់ឈ្មោះសានគូសពីក្រោមនេះមិនមែនជាអក្សររបស់ខ្ញុំទេ Merci, Monsieur le témoin, donc, pour ces précisions. Donc, je retiens que dans le document E3-40-93, vous reconnaissez à la fois votre écriture et votre signature. C'est bien ce que vous nous dites. Voilà, et donc dans le document E3-27-85, vous nous dites que ce n'est ni mon écriture ni ma signature. Alors je précise que le document E3-27-85, les ERN pertinents en Khmer sont 30-79-11-5, en anglais 2x0 32 21 93, et en français 2x0 75 36 36. Voilà, donc j'ai bien compris. Dans le document E3-27-85, ce n'est ni votre écriture ni votre signature. Oui. Vous confirmez ce que je viens de dire? Bien, si on va revenir sur ces problèmes. Pour l'instant, j'aimerais qu'on fasse un tour d'horizon de tous les documents qui ont été présentés hier. Donc j'aimerais qu'on vous présente à nouveau, monsieur le témoin, le document E3-24-23. Si monsieur, s'il est possible de présenter ce document au témoin, je l'ai à disposition. Je précise que l'ERN pertinent en Khmer est 3x0 79 127. L'ERN pertinent en français est 2x0 61 17 32. L'ERN pertinent en anglais est 2x0 32 22 10. Ce document se lit la façon suivante. Premièrement, interroger le méprisable Ulmoy, qui est du grade sous-lieutenant, et lui demander de révéler la filière à laquelle il appartient. Est-ce qu'il s'est bien enfui à la montagne de Khloshrei? Est-ce qu'il a une filière à Chamkarsieng ou pas? Et qui sont-ils? Deuxièmement, à propos d'un homme appelé Sikh, qui vous a été envoyé hier, je voudrais vous proposer de l'interroger pour identifier sa filière de commandement. Il faut lui demander
Combien de personnes ont été désignées par lui? Quelles sont ses activités? Je vous prie de l'interroger à fond. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si, oui ou non, vous reconnaissez votre signature et si, oui ou non, c'est votre écriture? Alors, je vais vous présenter un nouveau document qui vous a également été présenté hier. C'est le document 24-53. Donc, il est également à votre disposition. Le RN en Khmer est 2x0 27 07 74. Le RN en anglais est 2x0 38 85 77. Le RN en français est 2x0 61 17 69. Et la partie pertinente se lit comme suit. À l'attention du camarade Nhit, à titre d'information, au sujet de Flong Phala et Pen, j'ai donné l'ordre au camarade Naum de les envoyer à la police du district 105, daté du 18 octobre. Alors, s'agit-il là, monsieur, de votre signature et de votre écriture? On reviendra là-dessus. Je voudrais vous présenter un dernier document, monsieur. Il s'agit du document E3-24-44. Le RN pertinent en Khmer est 2x0, 27, 10, 29. Précise que la copie est de très mauvaise qualité. Ce qui nous concerne, c'est sur la partie droite de cette page. Et le RN pertinent en anglais est 00. 32-21-49. Et en français, 00-62-33-42. Donc, est-ce que vous reconnaissez la signature sur ce document comme étant votre signature, et est-ce que vous reconnaissez l'écriture comme étant la vôtre?
Bien, bah écoutez, on va noter que vous n'arrivez pas à le lire. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur le document E3/2453. C'est un document où vous venez de nous dire que vous avez reconnu votre signature. Ce document est en date du 18 octobre. Apparemment, ce que vous nous dites, c'est que vous avez écrit ce document après avoir pris des instructions auprès de Taron. Comment est-ce que vous communiquiez avec Taron qui était au niveau du secteur? Aviez-vous des messagers? ខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំនៅលេខ 6 ទៅកន្លែងតរ៉នតកែវដី 6 គីឡូខ្ញុំទៅផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំតាមម៉ូតូហើយទៅជូនរាយការណ៍ជូនគាត់គាត់សម្រេចយ៉ាងណាខ្ញុំសរសេរតាមនឹង Le message, en l'occurrence, est adressé au camarade Nit ou au camarade Kit ou Ket, je ne sais pas très bien. À qui écriviez-vous? Nhóm sẽ xe tàu sẽ mạng mất kết, bọn kết. Qui était le camarade Kut? Ta sẽ mạng mất kết nít chứ nạ nạ đấy. Nhóm chả lai rồi hai ta khẳng đám sẽ mạng mất kết chìa lê kha sọc. Tram cọp văn tá đầm nâng ní ban mau pi khum ăn là sáu đại nấu chật nhóm chiên bòn kết ai cái nhóm cả do sạch đầy địa ca ní tấu chun cả nặng đầm bòn cứ tà ron Cette réponse fait suite à un compte-rendu qui a été adressé par un nommé Som. En tous les cas, Som. Mais peut-être que je ne prononce pas très bien en khmer, mais la signature juste au-dessus, en français, se lit Som. Quelle signature lisez-vous juste au-dessus et à qui cela correspond-il? Qui vous a écrit? Ta chom ong da som yo tam nang nang mo chun khnyom pro khnyom na chit kot khnyom ko yo tam nang ni te riay ka chun ta ron ban ta ron samrach khnyom sa se chamriep bong kit
Est-ce que, en l'espèce, vous vous souvenez qui vous a écrit précisément? Est-ce que vous vous souvenez quelle est la personne qui vous a écrit et quelle était sa fonction? តែឆោមគាត់រសេនេះគឺរសេតាប្រចង់បញ្ជូនទៅណែតៅខាងស្រុកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចិត្តគាត់នឹងខ្ញុំក៏យកណែឯកសារគាត់នេះយកទៅជូនបងជួយទៅជូនតារ៉នហើយតារ៉នសម្រេចយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំរសេនេះជម្រាបទៅបងគិត Quelle était la fonction de Tachan? Est-ce qu'il était à la tête d'une coopérative, d'une commune? Quelle était exactement sa fonction? De quelle commune? Bien. Dans votre réponse, vous dites « J'ai donné l'ordre au camarade Naum ». En tout cas, c'est ce que je lis en français. Qui est le camarade Naum? Bon, ai xa nước nhóm khám yến phân khởi, ai xa lệch mắn. Peut-être est-ce Nôm? Hai chi ai chmô Nôm? Nôm. Nôm. Nôm, hai chmô Nôm. Est-ce que vous lisez quelque chose qui ressemble à Nôm? Bien. Et alors, qui est cette personne? C'est le même? Est-ce que c'est celui qui vous a écrit? Est-ce que le Chaum dont il est question est le même que celui qui vous a envoyé le compte-rendu? Hai khang krom khom sa se bong chom chmua tae muoy te Alors, j'ai encore une question. Vous écrivez, j'ai donné l'ordre au camarade Chaum de les envoyer à la police du district 105. Alors, qu'est-ce que c'est que la police du district 105? Où était située cette police?
Nakobal srok nang sathat nei ti tang kalai na dae. Tam khnyom dang mien kalai da Nakobal that nau nang keu nau khang khang laich monti srok khang laich da angroka miền tây tôm mùi pi giống tây tôm rọ sạch nâu mình chăm tha cả lại nắng chia cả lại chấm muối ấy thế bàn tay nấu khẳng lạnh mình ti sọc ong rạc cà sa ong rạc cà sòng ngày này Qui était en charge de ce bureau de police? Mần mến khi nhóm lẽ liếm với tay khi nhóm mần chạm chứ mùa. Et alors, je vais revenir un petit peu en avant et je vais donner lecture du compte-rendu, en tous les cas, de la partie qui me paraît pertinente. Il est dit ceci. À propos de la situation des jeunes rattachés à l'unité de l'Assemblée de la jeunesse. En français, on dit l'unité de concentration, mais je pense qu'en anglais, on dit the Youth Assembly Unit. Le chef de cette unité a incité les petits-enfants à voler. Il s'appelle Flong Phala. Lorsqu'il était à Phnom Penh, il a commis du mal et a volé. Quand nous l'avons arrêté, nous l'avons envoyé à la prison. Il a organisé un plan en ordonnant à Pen On de continuer à voler. Ce dernier a planifié de percer les sacs de riz décortiqués pour en faire cuire. Mais il a été arrêté et envoyé au centre de détention de la commune, que l'ANCAR prenne en considération, quelle que soit la décision que prendra l'ANCAR, je vous prie de m'en tenir au courant. Alors, je note que dans le rapport que vous recevez, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a tenté de voler du riz et qu'il est envoyé au centre de rééducation de la commune. Alors, où est ce centre de rééducation de la commune? Est-ce que le centre de rééducation de la commune, c'est la même chose que le bureau de la police du district 105? Monsieur, je vous ai lu le compte-rendu qui vous a été adressé. Dans ce compte-rendu, il est dit que Flong Phala a été envoyé au centre de rééducation de la commune. C'est ce qu'il dit en français. Et en anglais, on dit « the re-education site ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce centre de, ou ce lieu de rééducation de la commune? Où est-ce qu'il était situé? Là anh ở Brumcom
khum ni nè ong da sao mà nè nhóm ọt đăng cả lại nhóm ọt miên đăng cả lại khum nè cả lại ọp rung khum ong da sao mà trăng na thế bánh tái ca ọp rung nè cầm rật xa lê tao cầm rật lua cầm rật ấy chẳng chẳng hãy bàn chìa nhóm tao bị rua bị phía xa chìa muối ta rón ta rón có sầm rách ôi tao cả lãnh ọp rùm ở khẳng sọc cả lãnh một tí nó có bà sọc nâng cư nâu khẳng lãnh ông rạc cá chia cả lãnh ọp rùm cầm rạch xa đây bàn cơ nhóm sở xê sở bót miên ca sầm rách bì bọn kết thái cơ nhóm sở xê ám phì bọn rón thái cơ nhóm sở xê lịch khách ní chun tao bọn kết pháp trầm năng quát dàng năng đôi ai cho xa nâng chân chồng ngay đọc bầm bay phải đọc Donc, on a un bureau de rééducation, un centre de rééducation à Angtasom. On a un bureau de police du district 105 qui est à côté de la pagode d'Angroka. Qu'est-ce que faisaient les gens envoyés au bureau de police du district 105 ? Ils étaient détenus ou bien est-ce qu'ils travaillaient dehors ? គេកម្រិតស្រាលគេឲ្យធ្វើការគេអប់រំបដាបដាថ្ងៃចឹងប្រចាំថ្ងៃហើយគេសាកសួរចឹងទៅនឹងខ្ញុំដឹងត្រឹមកម្រិតប៉ុណ្ណឹង Monsieur le témoin, vous nous dites donc que quand quelqu'un faisait l'objet d'un rapport pour une faute légère, vous deviez aller en rendre compte vous-même au niveau du secteur à Taron pour qu'il vous donne ses instructions et qu'on envoie ensuite la personne concernée au bureau de la police 105 où il était rééduqué. C'est bien cela. Toutes les fautes, même légère, devait faire l'objet d'un rapport qui était adressé au niveau du secteur. Et c'était le secteur qui prenait les décisions pour savoir où les personnes devaient être envoyées. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous vous rendiez, est-ce que vous alliez souvent faire des comptes rendus à Tahor? Et que se passait-il si on considérait que la personne n'avait pas commis une faute légère, mais une faute grave ? Ou est-ce que cette personne était envoyée ? ខ្ញុំ ត្រង់ ណា ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ជ្រៅ ទេ តែ គ្រាន់ ដឹង ថា ជូន ទៅ កន្លែង ខាង លិច ផ្សារ អង្គរការ កន្លែង មន្ទីរ អប់រំ មន្ទីរ នគរបាល ស្រុក ហ្នឹង ហើយ កន្លែង ខាង លិច អង្គរការ សម្រាប់ យ៉ាង ណា ទៀត ហ្នឹង គេ បញ្ជូន ទៅ ទៀត ខ្ញុំ អត់ បាន ដឹង ទេ
quelle était la différence entre une faute légère et une faute grave? Qu'est-ce qui était une faute légère? Qu'est-ce qui était une faute grave? លោកសាស្ត្រីអាចឆ្លើយបានហើយហើយមិនមែនជាប្រភេទសំណួរចម្លើយរបស់លោកនាំឲ្យដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងទេនេះជាការធ្វើការកត់សម្គាល់របស់លោកដែលលោកបានឃើញហើយលោកចែងទៅនិយាយពីរឿងកំហុសស្រាលកំហុសធ្ងន់គាត់សួរថាវាកំហុសស្រាលនិងកំហុសធ្ងន់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះអាចឲ្យឧទាហរណ៍ក៏បានដែរយកឧទាហរណ៍ដែលលោកកត់សម្គាល់ពីអ្នកដែលមានកំហុសស្រាលនិងមានកំហុសធ្ងន់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច ការពិភាក្សាលោកស្រាតែសំណួរដែលនាំឲ្យចម្លើយឬអំណះអំណាងរបស់លោកដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងនេះមិនមែនទេណាលោកអាចឆ្លើយបានទេខ្ញុំជឿឆ្លើយបាទ ចាត់ទុកថាជាកំហុសស្រាល ការលួចអង្គលួចដកទំលង ហើយកោសលធរឬខ្ជិលច្អូសឧទាហរណ៍ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាកំហុសស្រាលប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យទៅឃើញថាអ្នកនោះឯងធ្វើសកម្មភាពជាកិញ្ជាសីអាយនឹងជាកំហុសធ្ងន់ Et quand les gens étaient accusés d'une faute grave, où étaient-ils envoyés? Et qui décidait de les envoyer? ខាងសន្តិសុខស្រុកគេអ្នកបញ្ជូនហើយមានការស្នើទៅខាងតំបន់គេបញ្ជូនទៅកន្លែងអប់រំកម្រិតធ្ងន់
นักขยมมันดังตีกันหลายแต่นาได้เท่าไหร่ไปเกย์ไปจูดกันหลายตีกันหลายกำรัดทั้งหมดนั้นดังทางกองสันสกสกกองกองฉลบสก Vous ne savez pas. Vous ne savez. Vous ne savez pas où était le centre ou le bureau de sécurité du district. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? ខ្ញុំឮគេហៅអាន់ឈ្មោះអាន់អាន់ហ្នឹងDonc Anne était le responsable de ce centre. On est d'accord? ធានមន្ទីរអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេបាទEst-ce que vous avez entendu le nom de Kreng Tan Chan? Kreng Tan Chan, c'est un homme qui a été très important, 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 qui a été très ហើយក៏រដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយផ្សាយតាមបទជុះផ្សាយតាមអីអំពីកលែងក្រាំងតច័ន្ទនេះហើយក៏ទៅជាសារៈមន្ទីរក្រាំងតច័ន្ទនេះបានខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនដឹងថាក្រាំងតច័ន្ទតែមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដឹងក្រាំងតច័ន្ទនៅត្រង់ណាទេខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពួកខ្ញុំនៅលេខបូខ្ញុំមកធ្វើអង្គរការតែប៉ុណ្ណឹងBon, donc je vais essayer de résumer ce que vous avez dit cet après-midi. Vous avez dit que quand vous receviez des rapports de responsables de communes, vous faisiez vous-même rapport au niveau du secteur et le secteur décidait quelle était la suite à donner. La suite à donner, ça pouvait être d'envoyer des gens au centre de rééducation, au bureau de la police 105, ou au centre de sécurité qui était à Kreng Tan Chan. Est-ce que c'est bien cela ce que vous nous dites? ទាំងអស់នេះគឺជាការសម្រេចរបស់តរនថ្នាក់តំបន់ខ្ញុំគ្រាន់តែនាំពាក្យដូចថានាំពាក្យនាំសេចក្តីរាយការណ៍ទៅជូនគាត់ឲ្យធ្វើគឺធ្វើការងារទាំងអស់តាមបញ្ជារបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយដោយខ្លីប៉ុណ្ណឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំយកតាណាគឺមានកម្លាំងឆ្លោបស្រុកគេអ្នកយកទៅEst-ce que parfois on vous donnait l'ordre de nettoyer les prisonniers? Que mon dal ban chia khom bao samat nak to te.Alors, monsieur, j'aimerais que vous relisiez le document E3/40/93. Sauf erreur de ma part, vous venez de reconnaître que vous avez signé ce document et que ce document a été écrit par vous-même.
Je vais donc en donner lecture. Cher Bang Chun, bien-aimé, en ce qui concerne des prisonniers de la commune de Chiang Tong, je vous demande l'autorisation de prendre les enfants qui sont encore accrochés à leur mère. Si les enfants étaient grands, il faudrait les envoyer dans l'unité itinérante ainsi qu'à l'unité des mères, à l'unité des enfants. Une fois qu'ils sont arrivés, il faut qu'ils attendent là-bas. On prendra uniquement la mère. Si ces enfants n'arrivaient pas à se décrocher de leur mère, il faudrait les emmener également, tout simplement. Une fois que l'interrogatoire sera terminé, il faudra tout balayer, tout nettoyer proprement. À propos des veuves qui sont venues de Trapeng Thom du Nord, de nos jours, elles sont chez le camarade Meng. Je vous demande de tout balayer, de tout nettoyer proprement. Cela me paraît être en contradiction avec ce que vous venez juste de nous dire. Alors, est-ce que oui ou non, vous avez reçu des instructions au niveau du secteur pour nettoyer certains prisonniers? ឲ្យតសេចឹងឲ្យខ្ញុំក៏សរសេរតាមសម្ដីរបស់គាត់តែការបោះសម្អាតផ្ទាល់ដៃខ្ញុំហ្មងគឺមិនមានទេកិច្ចការនេះបើសញ្ញាជាខ្ញុំមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់តរនតបិទ្ធទេខ្លួនខ្ញុំក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរ Donc ce que vous nous dites, c'est que vous avez transmis des instructions de tuer des mères, de tuer des enfants très jeunes qui ne pouvaient pas se séparer de leur mère, que vous n'avez pas tué vous-même ces enfants, mais que vous avez transmis les instructions pour que cela se fasse. Est-ce que c'est exact? ខ្ញុំនាំពាក្យខ្ញុំសរសេរតាមការបញ្ជារបស់សំបិតនឹងតរនដែលគាត់បានសម្រេចហើយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំសរសេរបញ្ជាអញ្ចឹងគឺសរសេរតាមសំបិតនឹងតរន Donc, tous ces gens avaient commis des crimes graves. Les enfants, les nourrissons qui étaient encore dans les bras de leur mère avaient commis des crimes graves. ខ្ញុំដឹងតែទទួលបញ្ជាពីតរននិងសំបិទ្ធទេតែ
car yul lampi hai car ni chiu tu tiet tu nhom man ban cham ở đây. Est-ce que vous suiviez ces ordres par loyauté, parce que vous étiez un bon et fidèle membre du Parti communiste du Kampuchea, ou est-ce que vous suiviez ces ordres parce que vous aviez peur, sinon de subir des conséquences dangereuses pour vous-même? Khnyom thvoe ni doy khnyom khlaich totuol rong krothnak dol ayu chivit robos khnyom doich bong proh robos khnyom dae dae bat khluon. Pourquoi ta ron ne signait pas lui-même les rapports que vous lui remettiez? Pourquoi Taron, à qui vous faisiez rapport, ne signait pas les comptes rendus, les instructions qu'il pouvait ensuite donner? Pourquoi vous laissait-il signer ces instructions? Donc c'est parce qu'il ne savait pas bien écrire qu'il laissait la responsabilité à vous, l'intellectuel de Tramkak, d'écrire les instructions pour tuer les mères et les enfants. C'est vraiment la raison. Parce qu'il ne savait pas bien écrire. Et il ne savait pas signer non plus. Bien, on va aborder d'autres questions maintenant. J'aimerais que vous nous disiez, monsieur, quand est-ce que l'on a commencé à vous appeler San? Đừng thà cái chập đầu hai lục thà san rư có thà san đi nó biên là đẻ. Cái nhóm mình chạm phê rửa lìa chứ ba lo đấy đó là xua chẳng cái nhóm mình chạm phê rửa lìa. Cái nhóm tâu có hẳn đáy có cái hào cái nhóm san sẽ còn đáy. Khyom mo nou srok tram kok ko ke hau chmuh khyom san. Donc pendant toute la période du Kampuchea démocratique, vous étiez uniquement connu comme étant San ou Tasan, ou bien étiez-vous aussi connu sous un autre nom? Est-ce que au niveau du district de Tramkak, il y avait d'autres cadres
que l'on appelait San. Mien nou tam khom tae khnyom vi phlech man dang che khom na. Est-ce qu'il y avait des gens, des cadres, qui travaillaient au niveau du district et qui auraient pu faire rapport au secteur comme vous-même vous le faisiez? Et des gens qui se seraient appelés San. Est-ce que ces autres personnes allaient faire rapport au secteur? Bien. Est-ce que quand vous étiez au district, il vous est arrivé de recevoir des instructions écrites du secteur? Vous avez répondu ce matin à un certain nombre de questions qui vous ont été posées par la juge Fens concernant les liens que vous pouviez avoir avec la famille de Tamok. Alors, je voudrais tout d'abord clarifier un point. Comment s'appelle votre épouse? Et votre épouse était-elle la sœur de Tamok ou une fille de Tamok? Donc vous êtes le beau-frère de Tamok. Est-ce que en dehors de ce lien d'alliance, vous étiez également cousin? Est-ce que vous aviez des tantes en commun? Est-ce que la mère de Tamok avait des liens avec votre famille? ខ្ញុំជាប្អូនថ្លៃមិនមានជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយតាម៉ុកទេព្រោះស្រុកកំណើតខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលហើយតាម៉ុកនៅខេត្តតាកែវដូច្នេះឆ្ងាយគ្នាអត់មានជាប់សាច់ឈាមអីទេតែជាប់ត្រង់ថាខ្ញុំយកប្អូនស្រីរបស់តាម៉ុក Alors maintenant, j'aimerais que vous me donniez les noms des autres sœurs de Tamok ainsi que de ses frères et que vous me disiez quelle position ils ont occupée pendant le Kampuchea démocratique. Alors, tout d'abord,
ses sœurs en dehors de Kun, votre femme. គឺតចុកឈ្មោះចុកគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបន្ទាប់តចុក chmua chom mà to pi ta chok chmua chom kot slap dae slap hai bantoa mao chmua pun srai slap hai bantoa pi ye pun keu ye ye kuop nâng có sạp đài nâu xa lửa xa cái nhóm ông cướn hai sợi bầu kế ông kên bắt ai Est-ce que le nom de Kepok vous dit quelque chose? Et qui a-t-il épousé Kaipok? ជាមួយអ្នកណាដែរខ្ញុំមិនស្គាល់តែគាត់រៀបការអ្នកណាទេឈ្មោះលឺតែឈ្មោះកែពកហើយមិនដែលបានស្គាល់មុខគាត់ផង Donc vous avez dit qu'il y avait un frère qui s'appelait Chok qui est décédé Est-ce qu'il est décédé pendant la période du Kampuchea démocratique ou est-ce qu'il est décédé après? Même chose. Cham. Est-ce qu'il est décédé avant, pendant ou après la période du Kampuchea démocratique? Et la même chose pour les autres frères et sœurs. ក្នុងពេលកងទ័ពវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាឆ្នាំ1979តាចំបងចំនឹងក៏ពេលនឹងដែរឆ្នាំ1979ដែរបងស្រីមួយទៀតឈ្មោះពូននេះគាត់ស្លាប់ប្រមាណឆ្នាំមុននេះដោយជំងឺគាត់ចាស់ Est-ce que votre femme ou une de vos belles-sœurs a été à la tête de l'hôpital du district 105. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les positions que vos beaux-frères et belles-sœurs occupés pendant la période du Kampuchea démocratique. Cham, Chok, Boum, Kous, quelles étaient leurs positions? Est-ce qu'ils avaient des fonctions? Ils avaient des fonctions.
Alors, on sait que vous nous avez dit que la fille de Tamok, une des filles de Tamok, Yeikom, a été à la tête du district 105. Vous nous avez donné un certain nombre de noms, également de personnes qui ont été à la tête du district 105. Est-ce que vous pouvez nous dire si les noms suivants correspondent à des cadres du district 105? Takiev. Est-ce que Takiev a été à la tête du district 105? Takiev n'a pas été à la tête du district 105. បាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាប់ការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសូមរួមរាល់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំរយៈពេល 3 ឆ្នាំនេះអ្នកជំនាញដល់សាកសីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់ទាំងអស់អញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រសាទរបស់គាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្ដីគំនិតសម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង